Vous revenez de vacances? Mais moi, j'en ai pas pris. Je suis saisonnière. Enfin, serveuse, si vous voulez, depuis 7 ans. Là, précisément. Mais cette année, je me suis syndiquée à la CGT après des rencontres qu'ils ont organisées. Pourquoi? Bah, parce que les conditions de travail, les heures sup pas payées, j'en ai marre. Et tu n'as pas l'impression d'aliéner ta liberté? Ah, parce que quand tu n'es pas syndiquée, tu es libre de quoi? À part de la fermer. Et puis, je suis seule syndiquée chez un petit patron, alors je prétends pas tout changer, mais au siège local du syndicat, j'ai trouvé un respect, une écoute. J'apprends et j'échange, et peut-être même que je me sens plus libre. Moi, je rentre tout juste, et remonter à bloc. Le coût des retraites, j'ai toujours pas digéré. Je me vois mal bosser 2 ans de plus pour toucher en fin de compte une retraite amputée. Et avec les plans sociaux qui tombent et le chômage qui s'aggrave, j'attends toujours qu'on m'explique l'intérêt de la manœuvre. Enfin pour nous, les salariés. Pour le syndicaliste que je suis, le constat n'est pas facile. L'issue de la bataille a montré clairement que les syndicats ne sont plus assez forts pour imposer leur choix. Ouais, en plus ils sont divisés. Bon, sauf que c'est la CGT qui rassemble, tout le monde le sait. Mais on n'est que 700 000. Avec une CGT plus nombreuse, le problème de l'unité se poserait d'une manière différente. Eh bien nous, pendant l'été, on s'est mobilisés et on a réussi à faire reculer le gouvernement sur le changement de statut d'EDF. Comme quoi, dans certains secteurs, avec une vraie mobilisation et des syndicats puissants et actifs, on peut encore gagner. Oui, mais dans l'ensemble, ils ne servent plus à grand-chose. Là, on tombe dans un cercle vicieux. On ne se syndique pas parce qu'on trouve qu'ils ne sont plus assez efficaces. Et précisément, ils ne sont plus assez efficaces parce qu'ils manquent de force. Il n'y a qu'un moyen d'en sortir. C'est que les salariés se syndiquent massivement. Moi, j'ai envie de vous dire, prenons contact, apprenons à nous connaître. C'est essentiel pour vous et pour nous.